Sur l'île de la Dominique, dans les Caraïbes, Mademoiselle Samuel utilise un moyen astucieux pour enseigner la prière à ses élèves de 3e année, une capsule temporelle. L'année dernière, pour commencer l'année scolaire, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai vu une de mes amies présenter une capsule temporelle. Et elle a dit qu'elle plaçait différents objectifs, rêves et désirs dans une boîte pour ses élèves. Puis, à la fin du trimestre, elle ouvrait la boîte pour que les élèves puissent témoigner de la réalisation de leurs rêves. Mademoiselle Samuel a demandé à chacun de ses élèves d'écrire leur sujet de prière, puis de les enfermer dans une capsule temporelle pendant un an. Une fois l'année écoulée, ils pouvaient ouvrir la capsule pour voir comment Dieu avait exaucé leurs prières. Les élèves étaient enthousiastes à cette idée, mais il restait un détail important à régler. Ils m'ont posé la question suivante. Mademoiselle, est-ce que l'on peut donner un nom à la capsule temporelle ? Ils ont décidé de l'appeler Jerry. Jerry, la capsule temporelle. Nous avons donc scellé Jerry. Ce que vous voyez maintenant, c'est la partie non scellée de Jerry. Et nous avons prié pendant toute une année scolaire. Après une année d'attente, les élèves étaient enfin prêts à voir comment leur prière avait été exaucée. Je vais donc me pencher sur le cas de Jerry. Êtes-vous prêts ? Oui ! Lumière, caméra, action ! Parfait ! Maintenant, ouvrez vos papiers ! De nombreuses requêtes de prière ont été lues. L'excitation des élèves grandissait à mesure qu'ils réalisaient que Dieu avait répondu à leur prière. Un élève voulait rencontrer son père, et il a pu rencontrer son père. Un élève voulait être sur la liste du principal, et ce fut le cas pour lui. Et il y a un enfant qui n'avait jamais obtenu son grade de 5e année, ce qui correspond à 85% et plus, et cet enfant l'a obtenu. Ces élèves n'ont pas seulement prié pour eux-mêmes. Ils ont également demandé à Dieu de prendre soin de leur famille. Votre petite cousine s'est-elle rétablie ? Je suis contente pour ton expérience, que Dieu ait répondu à ta prière de l'année dernière. Les élèves de Mademoiselle Samuel n'oublieront jamais que la capsule temporelle de Jerry leur a appris que Dieu répond aux prières. Merci de prier pour les enseignants et les écoles du monde entier qui aident les enfants à comprendre la puissance de Dieu. Merci d'avoir récemment soutenu cette école par votre offrande du 13e sabbat.